Depuis après assassinat président Jovenel Moïse dans l'année 2021, Fednel mon chéri fait Pierre Espérance tourner yon mission de vie. Plus passé yon l'année depuis l'a dénoncé toute démagogie qui a fait à travers réseau qui a défendu droit moun RNDDH côté Pierre Espérance c'est directeur exécutif li. Plus passé yon l'année depuis l'a metté en bage tout moun gang 4x4 que Pierre Espérance lui-même li a dirigé. Jwenn jodi a la, Fednel mon chéri fait une sortie et sortie ça gen pouwe ensemble avec gang 4x4 et Pierre Espérance. Mais surtout nouvelle sortie ça, conférence de presse ça gen pouwe ensemble avec yon groupe armé que Pierre Espérance toujours a critiqué mais l'a aidé jwenn zam pas en bas. Ensemble avec moi, nous pral attendre déclaration Fednel mon chéri et nous pral connait exactement qui groupe armé que Pierre Espérance a supporté pas en bas en de pays. Mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti arrivait mettre main dans pat cassave Franz Casimir alias CP ou du moins Tidou. C'est un chef influent qui fait partie de gang Village de Dieu. Ah, bagayo papiti dit tout, nous pral présenter au monsieur. Louis Abinadel commence à faire mort. Louis Abinadel commence à faire cocobé. Louis Abinadel, mesdames et messieurs, commence à faire ennemi. Au lieu de 39 moun qui t'a sous l'isla, il est rallongé à 52. Donc ça veut dire que 13 nouveaux personnalités publiques, politiques et économiques qui ajoutent. Il y a tout là qui est sérieux, c'est haïtien, ancien sénateur, ancien député, ancien président, ancien premier ministre, bagaille à mélanger. Mais il y a quelqu'un qui dit, nous pas prêter comme ça. Si nous pas capable porter plainte pour Louis Abinadel, n'a pas répondu. Assad voici, si nous pas voyer Jovenel aller n'a pas mourir, répond lui Sabinadel, nous pral tande déclaration. Yuri la tortue, ancien sénateur la Tibonite, répond lui Sabinadel, nous pral tande causer et nous gagner ancien député à Jean-Tolbert Alexis qui répond Louis Abinadel, bagaille pas petit du tout dans la République Jean Amoun, t'a pensé ça. Commissaire Jean-Ernest Muscadet, ta doué prendre une action en justice contre tout raquette dans le bureau immigration Miragouane. C'est ça, yon représentant de Wamoun dans Miragouane arrivé, déclaré devant micro la presse ensemble. Nous pourrons suivre déclaration. Programme alimentaire mondial, PAM, présenté bilan 2022, côté li inclut gros gagote qui te fait dans PAM Gonaïve dans l'époque Boakale ensemble avec Okay. Nous pral tande ki jan sa li même li te passé. Mesdames et messieurs, bagay yo compliqué. Lem di nou sa, c'est pas bagay ki ronce. Kessler Normil répond tout. Magistrat Petionville qui te manque 20 place Saint-Pierre là, jeune jodi a la a fait yon mea culpa. Nous pas attendre toute déclaration sa yo, pas boy site dans Info 5. Chita la a quoi show parce que nous pral démarrer. Coucou tout le monde, bienvenue. Ou sous Info 5, chaîne information là, avec Fabiola Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique information ça. Mais avant nous aller plus loin, n'a pas le temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite une famille ou un ami ou abonné à Info 5, puis capable toujours être connecté à bon information. Jeudi à ce mardi 18 avril 2023. L'aime dit nous société haïtienne non son société hypocrite. Nous devons apprécier son plaisanterie. Et mais je l'ai jodi à la, m'bral prouver nous à quel point que soi-disant politicien pays d'Haïti, soi-disant défenseur de Wamoun en de pays d'Haïti recelé, qui jonge moun sa yo cherche en de pays ya. Toute journée, mesdames et messieurs, nous tendez Pierre Espérance cap dénoncer barbecue. Oh oui, je ne fais famille à l'aimant et une main et tout, c'est Hélène Lalim qui a soutenu. C'est président Jovenel Moïse qui crée. Moun sa yo, c'est si mes intérêts, c'est si mes troubles. Cracher dit fait tel dégât tel côté. Mais pas jamais gagné un bilan exact qui baille. L'autre de cracher dit fait lui-même, lui ouvrir bouche, lui si mes dit fait sous population, lui kangrané yo. Je ne jodi à la, Fednel mon chéri, pote détail pour nous. Oh yo bon. Ah non, détail yo gou. Détail yo tellement gou yo mande pou mwè dlo.
Wow! Pierre Espérance, qui sous liste sanction États-Unis. Pierre Espérance, qui gagne une interdiction d'entrée en République dominicaine. Mesdames et messieurs, pas n'importe qui. Puisque s'il te n'importe qui, il peut gagner plus passer 20 ans. Il y a un réseau qui a défendu à moun. Sans toi, pas de pile, mesdames et messieurs. On faut coup de pied, la caille Fednel, mon chéri. Fednel qui a expliqué nous, en long et en large, qui est Pierre Espérance. Ensemble, entendez déclaration. D'après l'information que nous avons pendant la semaine, il y a plus passé 50 policiers qui ont payé sans pas faire rien. Parce que le baron du droit, des droits humains en Haïti, Big Boss, la justice, CSPJ et même DCPJ à un certain temps, c'est Pierre Espérance, depuis qu'il mourir, depuis qu'il en prison, aller en prison. Donc, nous avons exemple, toute déclaration que Shelson fait, semaine ça. Donc, nous disons, inspection générale, au moins, là, fait une intervention. Et nous disons que Pierre Espérance perdu visage li, au niveau de l'ambassade américaine. Mais je viens de dire, il a cherché et Colécole, Gary Boscol, sous l'ambassade Canada, qui t'a rencontré, Shelson? Non, ça ne va pas étonner personne. Ça ne va pas étonner personne que Pierre Espérance. Au contraire, il a demandé monsieur avec plus, by tout chef d'accusation, ça ne va pas étonner personne que Pierre Espérance non lisse. Côté que vous mettez un nègre qui a alimenté gang, et comme vous dites que l'équipe Pierre Espérance, c'est vous qui vendez un barbecue. À ça de voici, ça a barbecue, te dit, Fernando Duclair, et ça vous dit, et mon député qui dit que tous les âmes qui sont sous belle, et dans le bas de café du fait, et puis l'expérience qui va yo. Mais comment monsieur fonctionne? Il a battu et puis il a crié. Et pratique criminelle même, oui. Il a abu et il a plein pour. Coupé l'expérience, bien fois action malhonnête, et puis l'accusé l'autre monde qui a fait l'injustice lui-même. Donc, dans ce sens, ça nous dit que, je suis étonné que non, monsieur, non, n'importe lisse. Donc c'est clair que nous-mêmes depuis presque 2 ans, 3 ans, on a mené une enquête sur Pierre Espérance. Moi, je suis dans le kidnapping. Moi, échappé en bas 7 attentats Pierre Espérance, oui. Clair, ça me dit là, oui. 7 attentats. Et machine Pierre Espérance impliquée dans l'enlèvement, monde qui m'a demandé ce qu'on a, à toute plaque machine. Eh bien, nous-mêmes, c'est DCPJ. DCPJ t'en demande 3 fois. Il t'en est révolu plusieurs fois. Moi-même, s'il voulait attendre, il a paniqué crime avec explication, objet, invitation. Parce que nous, c'est victimes de Pierre Espérance. À tous les niveaux, même vie, nous devons enlever. Et nous dit encore, le plus grand criminel, kidnappeur, Haïti connaît, c'est 25 dernières années, parce que nous ne pouvons pas gagner un kidnapping dans le temps. C'est Pierre Espérance qui est lié. Et ça clair, information disponible. DCPJ Bagan, il manque encore pour réagir dans ce sens-là. Comme c'est blanc. Qui commence à ouvrir porte la police, n'a pas attendu que lui-même, il a pas continué à ouvrir, faire net la rue pour bailler plus de détails sur l'affaire gang 4x4. Monsieur tellement de pouvoir. Moi, je dis, il dit, Shelson, pas traîner dans la saleté sans bas, m'a bon tout ça besoin pour pas mener dans la saleté. Qui connaît la saleté? Tribunal premier instant de Port-au-Prince. Oh, c'est sous le chita. C'est au cap fait ma gouille pour lui, pour tenter le dossier pour lui, il a traité juste ça de saleté. Donc, si on monde douce saleté, pas même dans la saleté ça, mais tout le monde qui est en bas est des salopes. Voilà que des gens qui étudient à l'école, Pierre Espérance pas qu'on lit du tout. Et ça me dit là, Shelson ça l'a vérifié. Shelson dit, il passe monsieur examen dans la conversation la veille. Shelson ça a passé Pierre Espérance examen pour le niveau académique Pierre Espérance. Shelson dit, c'est un nul. Son nul de façon absolue. Donc ça veut dire que, voilà qu'il a traité jugio, espace jugio de saloperie. Donc dans ce sens, ça nous dit que, nous-mêmes, nous pas calé devant mon salaire que Pierre Espérance gagne contrôle et puis il a manqué au dégât encore. Donc je vous dis là, faut que lumière faite et nous dit clair que nous pas camper, nous pas prêter dans route jusqu'au bout que nous parler, faut qu'il y ait une explication qui fait. Tala Fednel, attends-moi, tu es beaucoup trop pressé. Donc Pierre Espérance fait tout le temps ça la critiquer G9 en famille et allié main youn main toute. Mais c'est lui-même qui a aidé au joindre zam. Et ça vient expliquer peuple là, pas vrai? Donc, tout le monde est venu ici, excusez-moi, je comme. Bon, je comme. Donc, tout le monde est venu ici, qui a fait toute journée. Pierre Espérance, oh oui, en de machine, la police, gagne G9. En de machine, G9, gagne policier. Barbecue 10, barbecue date.
monsieur, yo toujours dit. De pour on femme a parlé on est mal, qu'on a un sentiment pour lui ou bien nèg ça te rejeté. Ça veut dire c'est tout l'amour ça que Pierre Espérance te gagné pour barbecue. Mais barbecue pas fin toi remé garçon pareil, c'est femme mi gagné, c'est avec famille habitué fait ti affaire. Donc lui dit Pierre Espérance nous pas ca ensemble, soit attendez à la Pierre Espérance dédoublé. Pierre Espérance dit bien OK, non seulement mon bragué massacre la saline sous d'eau, mais aussi ou bra saisi tendez, ou pas ca rien dans pays d'Haïti encore. Donc c'est souligné ça que Pierre Espérance si même est allé. Ah, monsieur, a fait tinek, c'est mystère vrai, papa. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça, bagay ou a passé dans le pays? Pour nous gagner une société qui est aussi hypocrite. Pendant les gadou, il se défausse à droit moun qui ça la fait la baye zam, la baye katouche, la soutenu yon groupe armé. Ouais, pays ça, nous pas capable d'avancer la donne vrai. Bon, quoi, baye point pour moun pas prendre balle? L'église a acheté des âmes. Le gars de final prend pour un kaiboko. Père ou pas de koné. Qui de franc-maçon. Li vaudouisan. Li ougan. Li wazi crucier. Li kabalis. Li tout net en général. Ou pas de koné s'il était capable contre carré pour un. En vain, ben le gars âme. Li dit mais à qui condition ma boise âme ça. Mais qui j'en pour tirer à l'âme ça. Tandem nèg pran pou kayboko yo pa pran bal. Nous soje sa ki te passe nan baz la an le a baz vite la. Nèg ki al pran pou yon, el di testel pou yon si. Si pou yon mache yon gade, on green katouche tou yel. Donc se kon sa bagala yon de pe yon la. Oh, koze kte long. An continue, an ale fet nan mon chéri, pa la pep la. Ou gen bagay pou raconte, eh? Pa la ven nou. Tuit, vin kolaborateur Pierre Espérance. Nan mette piclise qui aboutit à massacre d'Elma 32 que Emmanuel Bissette toujours dénoncé. Donc, il n'y a pas un problème pour faire rapport sur vous. De vous payer pour enlever non, la retirer non, de vous voulez le cob parce que c'est ça le travail. Donc, il fait rapport sur un paquet de monde et je ne veux dire là, l'international comprend ça, le groupe de monde qui travaille pour comprendre ça et il dit monsieur que monsieur Konbaï a menti. Yo dit que monsieur Feyo, il fait mon abus. Et dans ce sens, moi, tant que le Canada, il y a monsieur qui a un passeport canadien, non, mais il pas connaît. C'est le Canada qui a fait des marches pour ressusciter monsieur, parce que pour remplacer monsieur. On est kidnappé, assassin, criminel, tant que Pierre Espérance, et puis, gagné on ambassade Rochetel, et puis on l'autre ambassade à ramasser. Donc, dans ce sens, ça nous dit que, à bon correspondance, que nous pourrons voyer, bye. Ambassade là pour nous bal plus détail dans ce sens. Donc, yo mande Pierre Espérance rapport sous massacre d'Elma 32. Comment ça le fait? Les blancs, ils montrent un dossier. Ils font un rapport en 3 pages. Mais qui paraît en sortie. Parce que y a cherché bouc émissaire. Même j'ai cherché bouc émissaire pour bailler la saline. Non. Y a cherché bouc émissaire. Qui bouc émissaire que le jeune? Keke avec un certain de Jean-Marc. Que c'est deux nègres qui ont fait massacre. Et ensuite, Magali habitant, bah ou l'argent, bah ou machine. Donc c'est comme ça que tu as monté un dossier sous mon nom, comme ils sont criminels. Et heureusement, bah, la baguette est arrivée à maturité, à terme. La baguette en prend tout bon vrai, même si elle fait l'autre. Nous avons commencé à dénoncer, monsieur. Rapport ça pas sorti. Samedi là, c'est d'après déclaration, Florival Mendy fait dans DCPJ avec New Organisation Droit Monde. Donc, quel était Keke, quel était Jean-Marc et Magali? Heureusement pour eux, le rapport n'a pas gain de temps sorti sur eux. Et ça, qu'on a dit de CPJ. Il y a plus que 5 ans passés, mon a porté plainte pour Pierre Espérance pour tout dossier criminel. Donc, ce n'est pas international là seulement qui pourrait monsieur son assassin, son criminel, ou même en tant que mon qui a servi l'État. N'importe étranger qui vient de côté, il demande un rapport sur Pierre Espérance ou Bayol. Mais pour qu'ils soient j'aime communiquer. Enquête qu'on mène sous Pierre Espérance. Donc, ou rencontrer Emmanuel Bissette, ou rencontrer Révolus Jean-Louis, ou rencontrer l'autre monde, Lafaye Palais, Mendy Palais, donc, ou même, on va protéger Pierre Espérance. Pour qui ça?
li fait. Cherson a bu. Cherson pote plein de baou déjà. En yé pas j'en di. Nous t'arrêmé koné pour qui ça tout démagogie ça yo, tout casse feuille, couvri ça yo. Donc, et dans ce sens, nous même nous dit que, Pierre Espérance, je vous dis là, le monde doit être clair, qui monde que lié, et pour cela, nous dit que la justice prononce rapide, sous procès, nous toujours dit, faut que procès soit fait, pour que lumière capable faite sous vrai auteur crime, et puis payer, comprendre, une peine que l'action a mérité. Donc, et dans ce sens, nous même nous dit que, nous portons plainte, bye, mini justice là. Nous écrit mini justice là. Nous écrit juge Walter Voltaire et que nous-mêmes nous disposons disponibles pour nous bail détails sous document, sous lettre nous voyons bail ministre et sous requête que nous voyons bail juge Walter Voltaire. Mais requête là à toute photo mandat parce que prend de départ enquête Jovenel Moïse, c'est mandat pour lire. Merci. N'a pas sur Emmanuel Bissette. Nous allons écrire l'ambassade Canada pour le prendre note, pour nous voir bah, depuis combien de temps, 23 ans, le représentant international doit moun, Pierre Espérancier, parce que M. Gon pouvoir dans mail, l'écraser la justice, l'écraser tout secteur. Oh, c'est important, Bradino là, il y a plus passé 50 policiers qui en bas, mes amis. Sous la pénitentiaire nationale, qui a coupé dans la prison, sous la propre expérience. Et nous demandons pour que, et direction, inspection générale, ouvre une enquête pour voir est-ce qu'effectivement, il y a des policiers qui subissent abus de Pierre Espérance. Dénoncer le monde qui a bien été en main, pour toujours dénoncer ce qui est président, ce qui est, comme c'est gouvernement, mandat je peux oh Paul Héron dit là tellement bay non zamim ou après bon voit pas tellement bon mon grippe tellement bay non mes correspondances que me voyez bay juge prophète dans dans pour la main non là parce que non pas dans mandat non et de façon implicite non là parce que c'est qui les bay la fête. L'on regarde pour être date mandat fait, à date monsieur entré, à date sorti, il tombe 3 mois après monsieur fin commissaire gouvernement, mandat fait. Nous pas rien pour nous cacher ça, nous dit ça. Et nous dit que c'est le point de départ de l'enquête sur Jovenel Moïse. Et tout ça, Pierre Espérance a un mot pâle pour le dire, la donne. Et nous-mêmes nous dit que. Et puis, deuxième bagage que nous faisons, nous pas cacher rien, ouais, ça sont requêtes que nous faisons à juge Walter Voltaire sous situation. Et nous dit que nous portons tête, nous, parti civil dans le dossier la mort Jovenel Moïse. Dès que vous commencez par mandat, nous avons remonté son spaghetti, nous avons remonté tout le monde, ainsi de suite. Et songez bien, nous tous que le plus grand chef de gang en Haïti, il n'y a pas de l'autre nom, c'est Pierre Espérance. Merci. Yo Cindy, je ne sais pas d'onde ir, si tu devas, el dolor me come la. Un día más, no podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mal. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginando el final. Hey, hey. Wow. Meni, gang pa kap, même pa ka di non gang, gang kat pa kat, dirigé par Pierre Espérance. Jusqu'à présent, malgré tout parler en pile, malgré toute preuve fait de mon chéri marcher avec, DCPJ, parquet Port-au-Prince, pour qu'on vle saisir dossier. C'est comme si on dit, nèg ça la trop longtemps papa et pas moi même qui pral vinn toucher dossier là. Si on l'a juge vraiment elle, quel manyel. Mais quand pour moi, pas de moun ka fait manyer dossier Pierre Espérance. Et bien mesdames et messieurs, moun ki pat konnen pour qui raison que lui Sabinadel dit Pierre Espérance, pas rentre dans pays là et bien nous fait comprendre pour qui ça exactement. Yuri la Tortue. Yuri la Tortue qui c'est ancien sénateur de l'Artibonite.
Youri La Tortue, qui c'est ancien conseiller président Joseph Michel Martelly. Youri La Tortue, qui s'était fait campagne avec Jovenel Moïse, qui virait dos à Jovenel, puisque Jovenel te dit que les papes capables de bal responsable caravane changement qui t'a commencé dans leur Tibonite. Youri La Tortue, mesdames et messieurs, qui débarquait avec un paquet poule dans Ona, li fait pour lui rendre les plumes qui dans Doyoa et puis signer près de 70 millions. Avant elle a déclaré que yo pas de l'Ona encore, li même avec poule yo, yo paye tout bagaille net en général. Et puis mesdames et messieurs, entendez déclaration Youri La Tortue qui t'a répondu président République Dominicaine Luis Abinader. Mounio Abinader fait fly, n'a continué à faire et invité tout le monde à rentrer dans la production nationale là, même Jean Avem. La caille, c'est la caille. Si m'de genzel, de couillons oiseaux, t'a volé, accueillis étoiles, non. You, you read a tort, tu frère. You, you, you. Ouais. Si mot audace pas existait dans le dictionnaire là, comme la famille c'est la tortue nous retire ça, nous doit mettre Youri. Clair. Debout à Youri, ou qu'on savait dire audacier. Debout à Youri, ou qu'on savait dire je cherche. Donc Youri, grand frère, Youri. Et ou t'es sénateur département que me sorti ya. Donc ou gen courage vrai. Ou a parler de ferme la tortue pendant yon interdit rentrer dans le pays. On me comprendre. C'est parce que la République Dominicaine n'a pas qu'à Dieu la voie et nous, ou senti que ferme ou en, assez de capacité pour le produire. Youri La Tortue. Bon, on rappelle bien Youri. Claude Joseph était le seul humain qui était campé dans l'année 2022 en face de Luis Abinader. Yo mette non le parmi gang, li di nou mal fè sa nou vle, mwen même on pap accepte traitement que nan bay haïtien. Yo lote haïtien pi mal passe patate pourri. Yo la gen on dans un camion immigration, yo jete yo sous frontière. Nous tout là, j'ai nous calé à garder, pas de réaction qui fait. Kounya la on parler de ferme la tortue. Ou pensez que ferme la tortue capable pour qui ça frère? Tout investi ou investi en République Dominicaine yo. Mwen nan maman la kè ou ap senye. Ou senti kè ou gon san kap koule la dan. Mais po jab. Ou pa ka fan yen. Ou pa met pyo sou frontière. Vwa pou ta rentre en République Dominicaine. Luis Abinader fè fly. Ou il fè fly. Luis Abinader fè fly. Ou il te mou fè fly. Li ba se fly la. Ba États-Unis. États-Unis finel ba Canada. Et bu. Ou pas de gardien. Ou pas de gardien qui n'a qu'un. Donc, frère, au lieu pour chita parler, au lieu pour chita faux paquet de déclaration insensé, vaut mieux ou calmer ou. Ok? Ou respirer. Non. Ou inspirer. Et pour respirer. Bam calmer parce que tout côté m'a investi yo. Youn nan kote sa yo, pa vle m vin la kayo encore. Ki sa m'a fait? Est-ce que m'a toujours al pose candidat pour m capable président pays d'Haïti ya? Ou du moins m'a cherché yon lot bagay pour m faire. Mesdames et messieurs, non, nous va ka commencer comme ça. Ladies and gentlemen, Assad voici. Assad voici qui est un chef gang. Qui actionnait dans la gazette Haïti. Mais pas si j'ai ça ne vient pas les jours aujourd'hui à là. Mesdames et messieurs, entendez des déclarations à cette voici qui a répondu au président Luis Abinader. Non, c'est pas une... l'interdiction puisque ce ne sont pas des sanctions. L'interdiction faite à certains haïtiens pour pas rentrer dans la République dominicaine. Nous sommes tout à l'heure là, Vital Sotli, gagné le président dominicain Luis Abinader, qui écrit le responsable de l'immigration dominicaine pour Mandel, pas quitter Mounsayo, entre la Kaeli, son 32 ou 39, son G-chiffre là,
39 boubou. Faut qu'on rappelle de chiffre là parce que ou fait partie de 39 là ou pas capable rappeler de chiffre là Assad. Qui va avoir bay moun na frèm? Et lui préciser bien sûr dans le document que le voyez bay immigration nous avons menacé intérêt c'est ça qui sont eux c'est des menaces ils ont menacé intérêt dominicain et parmi mounsayo votre serviteur votre humble serviteur le pays qui tient le moussa dodo votre humble serviteur. Ouais, yo dou kon sa ou menace intérêt République Dominicaine, frem. Ou menace intérêt pays moun yo. Et c'est Haïti, Assad Volsi. Naturellement, pour les bagages de considération qu'on fait, il faut que nous disions que ça fait longtemps que Dominicani a baissé aussi la joue en wall en Haïti. Nous songez, Luis Abinader notamment. Et à un certain moment, il voulait montrer que il est presque détourné au président de Lille. Et nous songeait Claude Joseph. Tu es tapé, monsieur. Parce que monsieur t'a pris initiative dans non-Haïti, sans Haïti. Monsieur t'a parlé comme quoi c'est président de Lille. Eh bien, Claude Joseph t'est tapé sous même monsieur. Il dit, monsieur, attention, vous n'êtes pas président de Lille. Vous êtes le président dominicain. Donc. Je vais te rappeler ça pour me dire que, mesdames et messieurs, Luis Abinader, depuis le fin président en République Dominicaine, je suis en difficulté, je ne suis pas capable de résultat. Je ne suis pas capable de promesses que je t'ai fait, que je ne suis pas capable de respecter. Et vous connaissez chaque fois qu'un président dominicain qui est dans une situation sérieuse, il toujours prend haïtien pour boire dans. Mais Assad a le programme Luis Abinader t'a fait dans campagne. Il t'a mené campagne avec là. Assad va aussi comme tout ça Luis Abinader t'a promet dans campagne jusqu'à ce qu'il remarque que Abinader n'est pas capable de répondre ensemble avec les questions de l'heure de la Republicana Dominicana. La Republicana, non la Republica Dominicana. Oui, c'est ça, mesdames et messieurs. Donc Assad était là, les lui si même il t'a mené campagne. Assad a vive dans pays moun yo, kounya Assad a bay Luis leçon. Oui, parce qu'elle pas ka gérer pays, kounya la li envie gérer Haïti. Voilà, d'accord avoir quelque part. Quelque part, Abinader a comporté vrai tant qu'il était président de l'île. Et comme si ni Haïti, ni ses domaines, c'est lui même qui a géré tous les deux pays yo en même temps. Mais la frem et non sans souye. Et non sauce ouye, c'est soit boire sauce là ou patiner dans sauce là ou bien dégage ou était quoi dans sauce si là mais ou pas gain l'autre choix que ça yo. Puis gros ami qu'on gagne c'est refouler haïtien. Refouler haïtien, maltraiter haïtien et nous songe plusieurs fois nous dénoncer le racisme en dominicain. Bon, par contre c'est cette menace là pour la République dominicaine. Attendez bien, mesdames et messieurs, tu as 2500 dollars en Haïti. Visa dominicain. Alors, ce que vous. En tout cas, nous sortons des déclarations à Assad Volsi qui t'a essayé de répondre Luis Abinader, bien que réponse non, on t'y en flou. Parce que Assad monte, descend, lui fait ceinture, pas gagné sérieux. Assad Volsi arrive dit Luis Abinader, contrairement avec Yuri la Tortue, mesdames et messieurs. Après Luis Abinader, t'es fine. Eh bien, mettez l'issue là de yon. Mounio senti yon en danger. Il a posé cette question. Par qui moyen exactement yon menacé intérêt République Dominicaine? Mais me rappelez, si Luis Abinader décide de mettre mur sa sous frontière là, c'est parce que, messieurs dames, li pa vle pour gang qui a opéré en Haïti yo, courir fou coup de pied sous frontière là, rive en République Dominicaine vin ajouter sous problème gang que li gagne déjà li même. Donc, bagay kon sa, li pa la donne. D'ailleurs, nous wè ki jan haïtien yo gen yon influence. Les Français ont été qu'on a manifesté,
Et si pon 4 nan mais Emmanuel Macron ou 10 Emmanuel Macron quitte nous tranquille bye kounya là les français manifesté li boule machine li boule caoutchouc gros pon 4 à la main sou rense ap gen moun ki mouri nan manifestation yo et tout ça parce que y a copié sou Haïti les Louis Wes sa li di pep sa li même son pep qui capable influencer n'importe l'autre. M'a vin ki te ou influence pam la, ki donc bon mette interim nan sakoche mwen, bon commence sanctionner. Moun nou gen ki répond encore, mesdames et messieurs, di par l'autre que Tolbert Alexis. Je n'ai pas gardé là. Tolbert Alexis, mesdames et messieurs, marié il y a seulement quelques jours avec une Dominicaine. Comme vous voyez très bien, la dame là, regardez ça. Une belle dame. Une beauté exceptionnelle, qu'on dirait général. À chaque fois que Tolbert Alexis garde dans les yeux, lui ouais était celle. C'est papa. Regarde ça. Hein? Regarde ça. Garde un sourire. Ben, pendant ce temps, papa, Tolbert Alexis a lui-même. La Tolbert Alexis, tout bon vrai. Et mais, mesdames et messieurs, Tolbert Alexis, qui est ancien député, a répondu. Il répond Luis Abinader sous question sanction si là ensemble avec moi nous prenons le temps des déclarations fait par rapport ça va intéresser parce que me connais des bagages m'dou m'a pour dire encore moi monter moi n'a parlé de ça c'est parce que j'ai respect pour tout le monde qui là que baron m'pas tab jambe perdre du temps commenter action Dominique Café par rapport ça va intéresser parce que me connais des bagages m'dou tellement connais et heureusement tu travailles là et me tellement dit bagages que nous comme peut-être à l'époque nous pas calan pas entendre en 2018 2019 l'aime de sortir en mission moun c'est moun qui compte suivre mes quatre entendre ça m'a dit donc ça vient faire que m'pas jamais mal perdre du temps et tant pour Jean l'autre t'a dit là c'est presque un honneur pour Dominique Métozoulis. Son honneur lié pour mais monsieur, Monsieur, et puis il y a l'autre monde tout, c'est à l'argent pas libéré là. Mais ou même qui pas les potes côté que ou ka attaque ou gain insécurité en pile grandissant tu toujours gain République Dominicaine, faut chercher un côté qui bon pour être pour pas victime comme diplomate. Si l'état ou gain ca résidence officielle pour être, eh bien ou supposé ré ton côté descend. Donc si pour payer 2000 faut payer, pour payer 3000 faut payer comme vu statut comme diplomate n'importe côté, c'est tout. OK. En tout cas, mesdames et messieurs, Tolbert Alexis lui-même il déclarait, il pas capable répondre Luis Abinader parce que c'est un honneur que il t'a fait Luis parce que il y a trois bagailles que il connaît qui capable mettre Luis dans problème pour ta vienne chita à répondre question Luis Abinader. Et mais mesdames et messieurs, puis devant j'ai annoncé nous déjà commissaire Jean-Ernest Muscadin gagné un paquet de pain sous planche là. L'emdou ça, c'est parti bagay petit du tout. Bureau immigration Miragwan tourne un centre de raquettes. Côté tout le monde, là où vini, c'est raquette pa ou a fait. Et mais, Muscadin monte descend dans bureau immigration, pas jamais gen une solution qui pote ensemble avec problème ça. Défenseur de la moun, ça que nous prenons à l'attendre à la, mesdames et messieurs, lui-même. Li déclaré notamment que commissaire Jean-Ernest Muscadin prend une action en justice contre toute raquette parce que bagala lui-même li commencé dépasser limite li. Ensemble entendez déclaration.
Nous souhaitons que le commissaire gouvernement mette l'action publique en mouvement et déférer le dossier à part devant les cabinets d'instruction pour suite nécessaire. Commissaire Miscadé. Nous demandons de voir le dossier dans le cabinet d'instruction parce que la population souffre trop. Mettez l'action publique en mouvement, épinglez tout le monde qui mérite épinglé. Parce que une fois la population, lui-même, lui parler, lui avec le commissaire, parce que le commissaire du gouvernement, c'est représentant la société. Ça veut dire que vous sentez que le commissaire Miscadé a mal jugé le dossier? Non, nous pas dit mal jugé. Le commissaire Miscadé prend les soins pour que vous preniez. Il prend patience avec eux pour eux-mêmes qu'ils ont baillé la population en service. Mais étant donné pas de volonté, on y en a pris des commissaires à passer à l'action. Et nous avons des commissaires pour lui-même passer à l'action. Parce que le commissaire gouvernement, étant chef de la poursuite en matière pénale, chaque fois qu'il des populations à souffrir, il vient le directeur, il parle avec elle, il utilise toutes méthodes nécessaires pour qu'il n'y ait pas de corruption dans le bureau. Mais malheureusement, laisse la population pas qu'à service. Nous avons des commissaires du gouvernement, lui-même, pour lui mettre l'action publique en mouvement, utiliser la loi à dernière rigueur contre tout le monde qui a commis infraction ça, qui a théorisé la population, parce que la population là, on souffre, mes amis. Il y a des gens qui l'ont depuis le mois de janvier. Femmes, on a des femmes enceintes, pas j'en arrive facile pour un passeport ici en là. Il y a pas des mesdames, des femmes pour arriver faire un passeport. Et mesdames, des victimes de ça. Il y a des mesdames, il y a des filles couchées ici pour arriver faire un passeport. Les mêmes matins, ils arrivent ouais, mon nom. Et ils ont négocié toute qualité bagarre avec eux. Et ils ont une obligation, une nécessité. Ils ont pas la caille, ils ont obligé faire ça pour pas faire. Et on dit son crime odieux. Quel crime ça y est? Nous demandons commissaire gouvernement, représentant de la société, renouveler engagement. Une autre fois encore, continuer, porter soutien à dernier rigueur par la population. Pour la population, ça arrive. Faire passeport ça que vous réclamez comme justice. Parce que la population va demander rien. Il va demander l'argent. La population, malgré le petit, toute saleté gagne. Comment comprendre? À distance de 10 mètres de bureau, si ce n'est pas porté au poteau en train de bureau, pas rentrer. Hein? Méthode applicable. Et nous, même notre cahier revendication, ça, nous t'ai fait directeur là, des propositions. Qui ça nous t'ai dit? Nous t'ai dit dans le cahier revendication population. Permettre tout le monde qui dans l'ISA et monde qui l'a longtemps, river faire passeport pour aller à la caille. Parce que zone non, à complexe, à fin tourner quoi beau sale. L'ISAL, qu'on a tout nos marchés publics. Et nous demandons pour prendre une résolution, sortir une note à l'autorité qui concerne eux, pour personne ne pas dormir dans la cour ni dans l'environnement. Pendant la pandémie, bail mon service comme ça doit. Moun qui premier, c'est lui qui passe en premier. Moun qui deuxième, c'est lui qui passe en deuxième. Faire population jouer un service pour moun vienne faire passeport dans le matin. Même dans les gens dans la banque qui va dormir devant la banque là, non. Il vient banque là bas service, il prend service là la caille. S'il pas gagne temps passer demain tourner, même Jean DGI fait, même Jean tout l'autre bureau fait. Pour qui ça immigration va t'appeler? Donc dans sens ça, monde qui fait passeport déjà yo, nous mandé c'est pas même côté y a fait passeport, y a cité, fait livraison, ni OK, déconcentrer service là pour population capable de bon service. Bravo! Bon, comme nous dit tantôt, moi c'est Serge Augustin, coordonnateur général assistance aux droits du citoyen et l'intégration des jeunes professionnels. Donc, aujourd'hui, nous venons dans le bureau immigration et émigration qui est dans le département Niplan. Donc, des concerts avec la population qui là, qui a souffert depuis mois janvier et 2023. Donc, aujourd'hui, nous venons en premier lieu pour nous porter un démenti formel avec déclaration délégué départemental là, t'es fait après population t'es fin fermé bureau départemental immigration et émigration Niplan. Côté que délégué Morel t'es dit organisation droit de l'homme yo même organisation femme yo même yo pas fait rien ni yo pas accompagné population. Nous dit délégué Morel menti, laisser autorité yo faut ou agir avec preuve à l'appui. Donc nous même pour nous démentir formellement ça délégué départemental là dit voici mais un document que nous même qui marqué cahier de revendication. Cahier de revendication côté nous te signifié te gon huissier qui t'a signifié directeur immigration en document ça en date du 27 mars 2023 et document ça t'a joint magistrat communal là en date 28 mars 2023.
et nous te voyons copie document ça par le doyen tribunal première instance là en date du 29 mars 2023. Donc en dans document ça qui ça te dit son document qui parlait de toute souffrance tribulation population et qui te dit on ti parti dans document bam li on parti là-dedans. Document marqué à directeur bureau immigration et émigration département NIPLA Aurel Jean-Louis. Monsieur le directeur, coordonnateur général assistance aux droits des citoyens et l'intégration des jeunes professionnels ADSIJIP Saint-Augustin, organisation ça qui immatriculé 000-767-388-9, patenté avec numéro 370-700-442-4, enregistré dans le ministère des Affaires sociales sous numéro STC-27-332, enregistré dans le mairie Miragouane sous numéro M/NEM-2010, dans tête collée avec notable qui bail soutien à moun qui vient faire passeport dans la zone là. Prend occasion ça pour porter devant ou revendication population à exposer tribulation à passer dans bureau immigration. Directeur Aurel, on va aller plus loin. Population levée voile bien haut pour lui reler en moué devant ça qui passer dans environnement bureau immigration à diriger. Donc nous pas pral dire plus et nous te souligner quelques infractions moun yo victime par exemple, nous te dit vagabond agressé chaque jour, même rivé battre pour place, en pile dossier volé, disparaître, chiré. C'est l'autre pièce que nous sommes obligés à l'acheter. Raquette pas quitter à rien. Mon handicapé, femme enceinte, cocobé, timoun, vieillard. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Mais situation lui-même, il a déroulé dans le bureau immigration Miragouane. J'aime bien annoncer que la police nationale d'Haïti mette mena Pat Kassav, Franz Casimir, alias CP, ou du moins senti doux. Je n'ai pas regardé là, là, il est vraiment doux. Monsieur Adou, les doux, les doux. Eh bien, monsieur, ça, si doux ça le porte comme sinon, parlez-vous quoi ce monde qui doute tout bon vrai? Il fait partie de membres qui sont influents dans la base ISO 5 secondes en un village de Dieu. Messieurs, mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti joint une mission Toyota RAV4 qui gagne comme immatriculation à attirer 798-30. Et mes machines, si là, Franz Casimir te kon utilise à fait pour lui capable à chercher bagay yo volé. Pour te yoani. Et livraison Casimir lui-même, li te kon fè nan base ISO 5 secondes. Mesdames et messieurs, Christian Nomil, qui c'est magistrat Pétionville, qui a lié à parenté ensemble avec ancien chef la police là, Ramon Nomil, qui manquait 20 place Saint-Pierre, répond Luis Abinader. Mes amis, Nomil, pourtant, l'elle tendait que non le cité, dans l'ismoun qui pas supposé rentrer en République Dominicaine. Ensemble, entre les déclarations. Nous sommes si nous quittons la caille pour nous venir informer la population dans sa capacité sur tout le territoire. Ça là, et maintenant, vous voulez réagir sur l'IA, c'est ok. Et Pierre, c'est avec un pile étonnement qui m'a non moins, étant que magistrat. Et Pétionville sorti dans tel responsable. Pourtant, on a une très bonne collaboration avec l'ambassadeur et dominicain. Quel que soit ça qu'a fait au niveau de l'ambassade, l'ambassadeur a toujours invité pour m'aller et dans toute bagaille qu'il a fait, il a organisé l'ambassade. Mais le problème qui vient de et Pierre, il y a un bagaille qui a demandé pour me faire pour eux, c'est un terrain qui a eu à peu près au moins de 20 à 30 camions d'issou et matières plastiques pour me retirer pour eux. Le moment difficile, ça, qui est moins dit, nos situations difficiles pour qu'on gagne gaz pour intervenir, même à intervenir. Je pense que c'est pour ça que. L'ambassadeur a dit, et le président dominicain a dit que magistrat Pétionville là. Et pas comprendre, je trouve ça. Oh, et bah, tu es un mou, Kessler. Et tu es un mou, qu'on a au service.
Kounya la yo besoin service ou ap di pa ge gaz. Ki te mele yo pa ge gaz. Ou kouye très bien, ou ka voye sou frontière yo la, yo pren galon gaz quantité yo vle, pou yo kapab al fè travail moun yo, ou ap vin di pa ge gaz. Et mais comme pa ge gaz chéri doudou, rete pa ge gaz en Haïti ya, parce que nan République Dominicaine, ou pap ka rentre. Oh, d'après ou, c'est ça qui fait. Luis Abinader tak yo fò konsa? Non, drôle. Yo mette nom lan. Magistrat, mais maman, qui dernière fois vous allez dans la réception de l'ambassade là? Bon, au contraire, tout est prestagé au moins de 8 jours, qui l'ambassade a fait chef de sécurité à Rilem pour me continuer pour me faire nettoyer pour me lever mon lieu souterrain pour lui. Quel est-ce que ça fait pour qu'on intervenir? C'est ça fait que vous mettez non, mais c'est un monde qui compte l'intérêt dominicain. Ah, mais t'as l'air, maman, va qu'est-ce que c'est, Domine? Eh, mais c'est magistrat République Dominicaine, oui? Si le service a besoin, il retire moun souterrain, il prend camion, magistrat République Dominicaine koye. Non, faut qu'on explique le peuple la clé, ça qui a passé là. On dit nous ça. Pays pas gagné zami. Pays gagné intérêt. Donc, tout autant bagala menace intérêt, et mais c'est tout autant que, mesdames et messieurs, ou après frappe ou même. L'idée de t'inviter au manger la cali, nan aswe, demi matin non sorti sous lis. L'idée avait se connaît parce que ou son menace pour intérêt. Au contraire, les mouns a besoin pour un pibie, yon propose pi bon amour, et puis gros couteau en amé yo, yon poignardé ou dans le dos. Je dis à la, nous tout la apprendre que c'est un homme lui-même, c'est service qui te qu'on apprend. Ambassadeur dominicain en Haïti. Nous t'en et magistrat c'est Domingue lié. Et bien, mesdames et messieurs, j'aime te annoncer nous, programme alimentaire mondial, par me présenter bilan travail pour année 2022, à côté, yo déclaré, si pas gagné manger, pas capable de gagner la paix. Et normalement, PM Ariel Henry, dans le jour qui s'est passé, là, te lancé un programme qui relève Food Shock Window, ça qui veut dire une fenêtre alimentaire qui est capable d'aider Mounio, qui est capable de pousser faire un apaisement social. Ensemble avec moi, on suit qui j'en cérémonie, ça a été déroulé et qui ça lui-même li baille comme bilan l'année 2022. Ici pour présenter les résultats de notre action dans le pays en 2022 et vous donner un aperçu de nos priorités pour 2023. Nous allons vous présenter quelques chiffres clés. L'appui du PAM en Haïti est concret, il se traduit par des appuis, par des réalisations sur le terrain, par des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et donc on va vous parler de chiffres aujourd'hui. Maintenant, je veux aussi souligner le récit et la trajectoire du PAM dans ce pays, du PAM et de ses partenaires. Et comme vous le savez, il y a une crise alimentaire importante actuellement en Haïti qui touche pratiquement 5 millions de personnes selon les derniers chiffres de la CNSA. Donc il y a urgence d'agir maintenant, mais aussi à plus long terme pour soulager cette crise. La sécurité, la violence et les difficultés économiques affectent la plupart des citoyens dans le pays. J'aimerais vous dire que sans nourriture suffisante, il n'y aura pas la paix en Haïti. Si pas gain manger, pas gain la paix dans le pays. Et notre travail s'inscrit justement dans l'optique de consolider la paix et de faire revivre le tissu social de ce pays. En 2022, le PAM a fait face à des attaques. Deux de nos bureaux ont été attaqués, notamment au Gonaïve et au CAI. Une partie de nos stocks ont été emportés. Malgré cela, je suis fier de dire que l'équipe du Programme alimentaire mondial en Haïti a su se relever pour atteindre nos objectifs en matière de bénéficiaires et de distribution. Malgré tout ce qui se passe, nous sommes une agence qui reste au service des Haïtiens et qui est là pour rester, pour apporter une assistance au milieu de cette crise si grave. Maintenant, sur les points que j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que l'assistance du PAM, elle s'articule de plus en plus autour d'une stratégie locale, c'est-à-dire d'acheter les produits que nous distribuons sur le marché haïtien. Nous privilégions les cantines scolaires locales, nous privilégions le travail avec les producteurs, les transformateurs alimentaires, les détaillants, pour pouvoir créer de la richesse, de l'emploi et une sécurité alimentaire plus grande dans le pays.
dans la présentation qui va suivre, je vais vous montrer à quel point notre stratégie avance et quelles sont nos ambitions pour les années à venir. Notre priorité est de travailler en Haïti d'une manière responsable qui habilite les communautés à la base. La diapositive que vous avez devant vous montre qu'en 2022, nous avons réussi à atteindre 1,6 million de personnes dans le pays avec une assistance, alors soit en nourriture ou alors en cash. Il est très important de noter qu'on a ces deux canaux disponibles en Haïti et que la partie cash de notre programme s'est accrue au cours des dernières années. Nous avons distribué pratiquement 10 000 tonnes de produits alimentaires dans le pays, dont le quart a été acheté localement. Ce sont des produits qui sont produits et qui ont été achetés en Haïti. À ce titre, il me semble que le PAM est l'un des premiers acheteurs des denrées produites en Haïti. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi. Et tout de suite, on a fait place ensemble avec journaliste sportif, nous, Jonathan Charles, qui prend ben, nous tout dernier détail sur sport national ou international. Journal tout haïtien connecté 509, Jonathan Charles, dans leur rubrique sportive là, qui a présenté nous li. On a commencé ensemble avec le dossier basketball NBA, playoff yo. Affiche pour jeudi mardi dans la conférence ESLA, c'est pour la deuxième game. C'est un assoir Boston Celtics après jouer face à Atlanta Hawks. C'est Celtics qui a pu se voir dans TD Garden 19,580 places. Boston a mené 1-0 dans la série. Dans la première game, il a été battu 112-99 avec un bon Jaylen Brown qui a fait 29 points. L'équipe Sayo, pendant la saison régulière, a présenté bilan ça. Boston est fini deuxième dans la conférence ESLA, 57 victoires pour 25 défaites. Atlanta Hawks est fini septième avec bilan ça, 41 victoires pour 41 défaites. L'autre match qui a gagné, toujours dans la conférence ESLA, à 7h30 dans la soirée, dans Rocket Market Field House, 19,432 places. Cleveland Cavaliers a recevoir New York Knicks. Knicks a mené 1-0 dans la série ça. Dans le premier game, il était bat Cavaliers 101-97 malgré Donovan Mitchell a fait 38 points pour Cleveland. Bilan de l'équipe ça, pendant la saison régulière, Cavaliers a fini 4e, 51 victoires pour 31 défaites. Knicks a occupé 5e place là, 47 victoires pour 35 défaites. Dans la conférence Ouest là, un peu plus tard à 10h, toujours jeudi mardi, Phoenix Suns a joué face à Los Angeles Clippers. C'est son qui a recevoir dans Footprint Center 18,422 monde qui a pris. Clippers a mené 1-0 dans la série. Ça a été battu son 115-110. La caille son même. Et Kyrie Leonard est on fire dans la rencontre. Il a fait sortir 38 points dans 42 minutes. Il a joué. Bilan de l'équipe Sayo pendant la saison régulière. Phoenix a fini 4e, 45 victoires pour 37 défaites. Clippers a fini 5e, 44 victoires pour 38 défaites. N'a pas les kounia à dossier football, Ligue des Champions dans zone CONCACAF, 15e édition, affiche pour demi-finale à Lyon. Première demi-finale là a offert une bataille 100% mexicaine à 10h et à soir jeudi même dans Estadio Universitario qui est à Québec en 2000 moon. Tigres de l'Université Autonome du Nouveau Lyon a obtenu deux pieds fermes Club Lyon. Deux équipes ça yo une contre l'autre parce qu'il a joué dans le même championnat dans la Liga mexicaine là. Si nous regardons sorti 2012 pour arriver jeune aujourd'hui, deux équipes ça ont joué 29 matchs, une victoire pour Club Lyon qui bat 30 goals et 10 matchs nuls, 11 victoires pour équipe Tigres là qui bat 37 goals. Déjà Mexique a gagné un représentant dans finale. Nous allons aller en Europe pour parler Ligue des Champions. Et quart de finale retour yo affiche pour mardi 18 avril là deux matchs à 3h dans l'après-midi dans le stade Diego Armando Maradona Naples a recevoir Milan AC dans match aller Milan te gagne Naples 1-0 n'importe match nul c'est Milan qui qualifié Napoli a besoin battre par deux goals d'écart si vous voulez décrocher billet qualification yo dans l'autre match là dans Stamford Bridge là Chelsea a recevoir Real Madrid. Déjà dans le match aller, Real te bat 2-0. Chelsea besoin battre par 3 goals d'écart s'il voulait à jouer demi-finale. Si Real perdit pour le luxe un goal d'écart, c'est le cap qualifié. N'importe match nul, tout après ranger cousi champion antidio. Real qui est parti favori. Un Chelsea qui malade, il était sous 5 matchs sans le parcours, goûter, goût victoire.
4 défaites pour un match nul, toute compétition confondue. Yo 11e dans la première ligue là. Nous parlons qu'on est en Espagne pour nous parler dossier Daniel Alves qui fait qu'on est, oui, il était rentré dans un rapport sexuel avec demoiselle 23 ans qui était déposé plainte sous dole qui était accusé il était violé. Daniel Alves qui était passé audition hier lundi qui était 17 avril là devant un juge qui t'a occupé dossier ça, ancien latéral droit de Barcelone, bail vérité côté il dit oui, t'es gain pénétration. Il était insisté pour le dire c'est une tension sexuelle d'après sa journal El País rapporté. Ancien international brésilien 39 ans Froissa qui débaille le témoignage dans première audition Alves te dit pas de aucune relation avec demoiselle là il débaille menti. Froissa Alves reconnaît que lui avoué que c'est demoiselle là même qui était descendre pantalon pendant le chita sous bol évier dans une toilette demoiselle là te fait santé carli une fellation pour lui. Alves te continue pour dire, demoiselle 23 ans te sauté sous lit, you fait sexe sans préservatif. Alves te met deux genoux demoiselle là pour te ka éjaculer. N'a pas rappelé, évidemment, ça te passé dans la nuit 30 décembre dans zone VIP et sous ton yon boîte de nuit qui située dans la ville Barcelone. N'a pas partagé Kounia ensemble avec chaque fanatique. Journal tout haïtien connecté 609 spécialement fanatique rubrique sportive là classement soulier d'or européen pour saison 2022-2023 qui j'en saillé en bas top 10 là n'a commencé ensemble avec 10e nan c'est Fallon Balogun monsieur fait 18 goals mais c'est 36 points récolté l'ancien américain il a 21 ans l'a joué dans stade de Reims en Ligue 1 française donc on est en pays la France même qui fait partie dans top 5 UEFA et coefficient c'est 2. En 9e place, c'est Ivan Benjamin Elijah Tourney, 18 goals, 36 points. Lycéen anglais, il a 27 ans. Lycéen attaquant Brentford dans la première ligue anglaise. Là, c'est à peine ouais, c'est 2 points. Il récolte chaque goal qu'il fait. En 8e place, c'est Hamal William Devaz Pellegrino, 25 goals. Il a joué dans le championnat Norvège. Là, championnat ça, chaque goal qu'il joue fait, c'est 1.5 ou récolté. Ça fait Pellegrino totaliser 37,5 points. Lycéen norvégien, il a 32 ans. La jeune équipe Bodo Glimt là. 7e place, c'est Alexandre Lacazette, 19 goals, c'est 38 points. International français, il a 31 ans. Il est attaquant Lyon dans la Ligue 1 française. Et dans 6e place là, nous joignons c'est Jonathan David, lui-même qui a fait 20 goals. Jonathan David, si nous regardons son affaire de 40 points que Ligue 1 bénéficie, international canadien qui a 23 ans, lycée attaquant Lille dans Ligue 1 française. En 5e place, c'est Kylian Mbappé, Loutin, 20 goals pour 40 points. Mbappé a 24 ans, attaquant Paris Saint-Germain dans Ligue 1 française. 4e place là, pardon, c'est Iner Rembelto, Valencia Lasra, 27 goals. La vue dans Fenerbahçe, dans le pays de la Turquie, coefficient Super League Turque là, c'est 1.5, équatorien gain 33 ans. 3e place, Victor James Osimhen, 21 goals, 42 points, il est totalisé. Nigérian gain 24 ans, il est attaquant Naples dans la Serie A italienne. La 2e place, c'est Harry Edwakin, 23 goals, 46 points. International anglais a 29 ans, l'ici attaquant Tottenham Hotspur dans la première ligue anglaise là. C'est comme ça lui-même, il est numéro 1, c'est grand favori à Erling Haaland, 32 goals, 64 points. International norvégien gain 22 ans, la jeune équipe Manchester City a en Angleterre. Un classement côté Noël, Ligue 1 français a gain 4 représentants. Première ligue anglaise là, il y a 3 représentants. Nous allons parler de la 28e journée Bundesliga allemand. Résultat qui était fait pendant le week-end. Bayern Munich a fait 1-1 avec Offenheim. International français Benjamin Pavard a ouvert score là dans la 17e minute de jeu. Kouatla, Andrej Kramaric a égalisé dans la 71e minute de jeu. Borussia Dortmund n'a pas profité. Foupa Bayern il fait match nul 3-3 face à l'équipe VfB Stuttgart là. Pourtant, Noir et Junior menait 2-0. Sébastien à la 26e minute de jeu et Malen 33e minute de jeu. Stuttgart est remonté au score. Koulibaly 78e minute de jeu et Wagnermann 84e minute de jeu. Dortmund fait 3-2 avec l'Américain Giovanni Reina dans 90+2. Stuttgart est égalisé dans 90+7 avec Mvumpa. Match là qui était joué dans Mercedes-Benz Arena. Il y a un faux pas pour Borussia Dortmund. L'autre résultat, VfL Wolfsburg fait 0-0 avec Bayer Leverkusen. Union Berlin fait 1-1 avec VfL Bochum.
Fribourg bat Werder de Brême 2-1. Kellentrack, Frankfurt qui fait un goal dans chaque camp avec Borussia Mönchengladbach. RB Leipzig bat Augsbourg 3-2. Si nous regardons le classement après 26 journées, nous voyons Bayern 59 points leader, 2e Borussia Dortmund 57 points, 3e Union Berlin 52 points et c'est comme ça qui est. 4e place c'est Rajenbol Leipzig 51 points, 5e place c'est Fribourg 51 points. Bas classement c'est VfB Stuttgart avec Schalke 04 qui a 24 points, partagé 16e avec 17e place. Bundesliga c'est Hertha Berlin 22 points qui 18e. Meilleur buteur championnat ça c'est Niklas Füllkrug 16 goals qui a fait. Meilleur passeur c'est Raphaël Guerreiro qui a fait 11 passes goals avec à Borussia Dortmund. Nous vous parler kounya dans football transfert pour parler du journal espagnol là Marca qui fait connaître équipe Al Nassr là veut gagner champion du monde et Ballon d'Or 98 là Zinedine Zidane pour venir entraîner. Saoudien yo gen intention pour ta faire Zidane venir entraîner qui a pi bien touché dans l'histoire jouet là. Yon contrat 2 ans ak yon salaire 60 millions euros chaque année. Zidane depuis 2021, pas gen équipe la entraîné. Il a remporté 3 Ligue des Champions avec Real Madrid 2016, 2017 pour arriver 2018. D'ailleurs, c'est seule équipe ancien capitaine de sélection française a été entraîné jusqu'à présent. N'a pas y aller à Al Nassr dans le moment côté n'a pas lié à pas gen entraîneur. Rudi Garcia, 59 ans, qui était dans tête équipe là, pas là encore. Puis le média local a rapporté c'est Cristiano Ronaldo qui était la cause et dirigeant yo voyé à les techniciens français a yon affaire à suivre. Jonathan Charles a présenté nos rubriques sportives sur page journal Tout Haïtien Connecté 509. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était avec vous, Jonathan Scholl, pour Info 5 et TAC 509. Et c'est là que nous mettons bout à rubrique aujourd'hui. Nous vous rendez-vous pour une prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.